Good morgen, allez, Yidan, je suis aujourd'hui le Lunishmat, le Rabishmol, le Shlomo Zalman, Shalom Binyamin Ben Mazal, ainsi que le Fat Rafael Zulon Ben Chayamalia, le Ramat Rasida, Dov Ben Yudit, Sarah, Bat Betiruka, le Tor, Charles, Cholem Israël. Ce que c'était aussi une prochaine étude de Mishnah contre la 5e minute éternelle. Nous étudions Masichet Cholin, Perek Tet, Mishnah Bet, Eilu, Sheorotehen, Kivsaran, Or Ha Adam, Ve Or Chazir, Shel Yishuv, Ve Rabbi Yossi Omer, Av Or Chazir Abar, Ve Or Chatoteret, Shel Gamal Haraka, ואור הראש של עגל ערך, ואור הפרסות, ואור בית הבושת, ואור השליל, ואור שתחת העלייה, ואור הענקה, והכוח, והלטאה, והחומת, רבי יהודה אומר, הלטאה כחולדה, וכולן שאיבדן או שהילך בהן כדי עבודה טהורין, חוץ מאור האדם. רבי יוחנן בן נורי אומר, שמונה שרצים יש להם אורות. On avait déjà introduit hier dans le shiur précédent, qu'on démarre dans le 9e Perek de Choulin, hein, des sujets de Touma Vetahara, d'impureté à impureté avec des règles assez complexes. On a eu un long chiour dans la mission précédente. J'étais un peu fatigué en plus, un peu lourd à parler. Désolé, et des fois, je dois faire monter le chiour le lendemain matin, donc ça sort comme ça. En tout cas, concrètement, on avait appris une règle qu'il faut maintenant retenir, qu'on a évoquée dans la mission précédente, qu'on va maintenant mettre le zoom dessus et expliquer un peu mieux. Le sujet de la mission précédente, on avait appris là-bas qu'il y avait ce qu'on appelle les Toumat Nevelot. On a parlé de deux types d'impuretés. L'impureté des aliments qui véhiculent une impureté, ils deviennent impurs, ensuite ils véhiculent l'impureté, ça c'est une chose, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'impureté des cadavres. Dans plusieurs domaines, la Torah elle a redonné une impureté spéciale aux cadavres d'animaux, ils ont une tomate nevela. Cadavres d'hommes, ils ont une tomate met. Cadavres de shratzim, des huit reptiles rampants que la Torah elle a explicité, eh bien, véhicule une autre impureté, ce qu'on appelle Tumat Shratzim. D'accord ? Le sujet de notre Mishnah maintenant va être de savoir. On avait appris dans la Mishnah que, dans la Mishnah précédente, on avait appris que la peau de ces choses-là, en général, ne va pas s'associer pour compléter le chiour de kazaït. C'est-à-dire, un morceau de nevela véhicule une impureté que lorsqu'il y a un kazaït de viande, de chair. Si, toutefois, il y a 90% du volume requis de chair avec 10% qui est de la peau de l'animal, la peau ne va pas s'associer, c'était ce qu'on avait appris, à or, l'homme mistaref et tomate nevelot. C'est dans la Mishnah précédente. Maintenant, on va parler d'autre chose, d'une nouvelle notion maintenant dans notre Mishnah. On va apprendre qu'il y a certaines espèces ou certains cas de figure, certains types de peau qui ont un statut d'aliment complètement. Non seulement pour compléter le chiour dans le kazaït, mais même mieux que ça encore, si vous allez récupérer que ces peaux-là, et vous allez ensuite les toucher, par exemple, bien, vous allez devenir impur en les touchant, même si ce n'est que de la peau, parce que ce sont des peaux qui ont un statut de chair. De manière générale, on va parler de peaux molles, qui peuvent être mangeables, ou selon le cas. D'accord ? C'est l'idée générale qu'on va avoir. D'accord ? Donc, si je résume maintenant en deux mots, on va prendre une nevela, un cadavre de vache mort. Je vais la dépecer. Cette peau-là ne véhicule pas d'impureté, parce qu'il n'y a pas de chair. S'il y a un morceau, un kazaït qui est resté collé, alors ça va véhiculer l'impureté. Mais s'il n'y a plus de chair qui est restée dessus, eh bien, cette peau-là ne va pas véhiculer d'impureté. On va prendre notre Mishnah maintenant, qui a plusieurs espèces où la peau est considérée comme de la chair. En général, parce qu'elle est molle et qu'elle est mangeable. Donc, « Ve'elouche orotehen kifsaran »« Elouche orotehen kifsaran » Telles sont les peaux que l'on considère qui ont le même statut que la chair elle-même. « Or ha'adam » La peau de l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dépecer un homme, il va maintenant laisser juste la peau. Vous n'avez que la peau. Eh bien, vous allez toucher cette peau, ou même vous allez, ouais, vous allez toucher cette peau, par exemple, vous allez devenir impur avec Toumatmet. Vous avez touché un mort, même si ce n'est que la peau. Ve'or chazir shalishuv. Et la peau d'un cochon domesticable. Domestiqué, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, à la différence du cochon sauvage, je crois que c'est le sanglier, que Rabbi Yossi Omer, af or chazir abar, même la peau du cochon sauvage, c'est-à-dire du sanglier. Je crois que c'est le sanglier. Concrètement, on a ici une discussion maintenant. Le principe est simple. Demandez à ceux qui mangent du cochon, est-ce qu'ils mangent la peau? Même s'ils ne la mangent pas, en tout cas, il faut savoir que cette peau, elle est mangeable. Elle est plus molle, donc il peut être mangé tel quel. Pour le cochon domestiqué. Et maintenant, pour le cochon sauvage, eh bien, il y a une machloquette dessus, et à la fin, elle est retenue que non, que ce n'est pas. En al-Hakir Rabbi Yossi nous dit, que ce n'est pas une peau consommable, donc si on a dépecé la peau du cochon,
eh bien, on ne sera pas du cochon sauvage, on ne sera pas impur. Mais par contre, la peau du cochon classique, du porc, eh bien, elle rend impur. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, quoi, celui qui a un manteau avec le cuir de porc, c'est un bon cuir pour faire des vêtements. Celui qui a un manteau cuir de porc, il le touche, il devient impur. On va prendre la mesure de Mishnah que non. Mais, en tout cas, si vous récupérez des peaux de porc pour ensuite en faire du cuir, vous allez le travailler, vous êtes tanneur, eh bien, il faut savoir que lorsque vous allez toucher maintenant cette peau, vous allez devenir impur. À l'époque du baptême d'Igdash, ça pouvait être très grave. À notre époque, c'est pas tellement grave du tout même. Rabbi Yossi Omer, Af Or Chazir Abba, on a fait. Ve Or Chatoteret Shel Gamal Haraka. Et aussi la peau de la bosse d'un chameau jeune. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas encore porté une charge, la peau du chameau, donc de sa bosse, elle est encore molle. Et apparemment, elle peut être mangeable. De ce fait, quelqu'un qui a retiré que cette peau et qui va ensuite la toucher, il va devenir impur en la touchant. Pourquoi ? Parce qu'il a touché la peau d'un cadavre. Ah, il n'a pas touché la chair, il a quand même touché une peau qui est mangeable. D'accord ? C'est le principe. On continue avec « Oharosh el Egelarach » la peau de la tête d'un veau jeune. Alors, j'ai le partenaire nous précise qui est encore nourrisson, qui boit encore le lait de sa mère. Alors la peau de sa tête, apparemment, elle est molle, elle peut être mangée de ce fait. Si on a dépecé tout l'animal, qui était une évela, et qu'il ne nous reste que cette peau-là, on a retiré la peau de la... excusez-moi. On a retiré la peau de la tête, eh bien, il faut savoir que cette peau de la tête aussi véhicule l'impureté. Elle est impure aussi, elle a un statut de cadavre parce qu'elle est mangeable. Idem encore pour Ora Prasot, même principe, dans le pied, là, le pied, donc il y a l'os recouvert de chair, recouvert de peau, et ensuite... il y a le sabot qui sort là-bas. Eh bien, apparemment, cette peau-là, elle est molle et elle est mangeable. De ce fait, donc, si vous récupérez juste cette peau-là, elle véhicule l'impureté si vous entrez en contact avec elle. Ça, c'est Or Prasot. Mais Or Beta Bochette, le Bartonoï nous dit, Beta Bochette, c'est à la maison de la honte. C'est l'endroit, la partie que l'on recouvre, c'est-à-dire la partie génitale. Mais en fait, Bartonoï nous précise qu'on parle de la matrice spécialement de la vache, que apparemment elle peut être mangeable, la peau là-bas elle est plus molle, elle peut être consommable, sans dépecer. De ce fait, si on a dépecé, on a retiré que la peau, eh bien cette peau-là véhicule la pureté aussi si c'était une évela. Les Or HaShalil, idem aussi pour la peau du placenta, là où le fœtus se trouve, cette peau-là c'est quelque chose qui peut être mangeable. Les Or Shetachat HaAliya, et aussi la peau qui se trouve sous la queue du mouton, le mouton, la Aliya c'est le mouton, il se finit avec une queue qui est très grasse. Apparemment, chez les bons consommateurs de viande qui aiment au contraire la viande grasse, ils aiment beaucoup cette partie-là spécialement, la Aliya. Et la peau là-bas, apparemment, elle est, qui se trouve en dessous, elle est plus molle, donc consommable. Donc, si vous avez un mouton qui était un cadavre, vous avez dépecé sa peau, vous avez récupéré juste avec cette peau-là, vous touchez cette peau, vous devenez impur. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de mangeable. Idem à présent avec... quatre sortes de rampants qui sont Veor Ha'anaka, Vea Koar, Vea Leta, Vea Chomet. Il y a 8 rampants qui véhiculent une impureté dans la Torah. On va les évoquer à la fin de la Mishnah. C'est-à-dire, on va voir, on va les réunir en tant que 8. Il y a parmi les 8, il y en a 4 spécialement qui ont leur peau qui est considérée aussi comme une partie, comme de la chair, parce qu'elle peut être mangeable chez ceux qui vont manger ces reptiles ou ces rampants, qui sont notamment. La peau du Veor Ha'anaka, la peau du Anaka, le Rashi, il écrit, excusez-moi, plus fort que moi, Ritso, c'est l'hérisson, en fait. D'accord, le Anaka, c'est l'hérisson, apparemment l'hérisson. Si on enlève tous les pics, eh bien, on se retrouve avec une peau qui est assez molle et qui peut être mangeable chez ceux qui aiment manger des hérissons à midi. Eh bien, donc, si on a maintenant, on a retiré que la peau de l'hérisson et qu'on touche cette peau-là, on va devenir impur. Pourquoi ? Parce qu'elle a un statut de chair. À Koar, là c'est le joker, je vous l'explique pourquoi dans 30 secondes. Ve'aleta'a, c'est la salamandre, ou c'est le lézard. Apparemment, Rashi, je pense que les vaird, ça veut dire lézard en fait, que ils ont, vous savez, ceux qui imprimaient les livres, ils recopiaient les lettres, et ils ont, parlaient pas forcément le français, donc ils ont recopié avec une faute, j'imagine, qu'il avait écrit initialement lézard. Lézard, ça correspond à lézard, d'accord. Ve'achomet, c'est la limace. Donc ces choses-là, ils ont une peau, la limace, achomet, c'est une sorte de
rampant qui véhicule une impureté. Si on a retiré la peau de la limace et qu'on a un kazaït de peau, eh bien, on touche cette peau, on devient impur. Ok ? Parce que cette peau a un statut de chair. Rabbi Yehuda Omer, Aleta'a Kechulda. Selon Rabbi Yehuda, il dit non. La Leta'a, qui est donc le lézard, elle a le même statut qu'une Chulda. Que la Chulda, qui est un rat. Un rat, si vous allez récupérer la peau des rats, alors, et vous avez ensuite touché la peau du rat, il n'y avait pas de chair qui était accrochée, eh bien, ça ne va pas véhiculer l'impureté, parce que la peau, elle est distincte de la chair. La chair véhicule l'impureté, et elle est impure, mais pas la peau. La peau, quand elle est recollée avec la chair, elle va, oui, véhiculer l'impureté. Si je touchais un morceau de chair collé avec sa peau, je crois que si je touchais la peau, bien évidemment, je deviens impur. Mais là, on parle qu'on les a séparés. Donc la peau ne véhicule plus d'impureté. Maintenant, je vous avais dit, pour le Koach, j'ai sauté parce que je n'ai pas trouvé de traduction. J'ai cherché dans Rashi, de partout. Ils n'ont pas traduit c'était quoi ce Koach. J'ai cherché dans la traduction de la Bible du rabbin Zadok Khan. C'était l'un des grands rabbins de France dans les années 1900, à l'époque de Dreyfus, c'était son cousin. Et il y avait là-bas, lui, traduit par crocodile. Je ne sais pas d'où il a tiré un truc pareil. On ne parle sûrement pas de crocodile ici. Parce que le crocodile, à mon avis, il a la peau dure, on en fait des cuirs très intéressants. Donc, je pense que c'est une erreur. Ok, il y a le Barthed, le Tiferet Israël, il traduit ça en yiddish, goril. Je pense pas que c'est le goril. Je sais pas c'est quoi ce qu'on prend. Il écrit, le Barthed Israël, il nous explique, c'est une sorte de très gros akrav, un très gros scorpion. Je sais pas ce que ça peut être. C'est le koach, en tout cas. Rabbi Yehuda, merde, donc à l'état avec le podcast, on l'a fait. Maintenant. On avait posé la question sur tout ce qu'on a évoqué, par exemple. Si maintenant on a, alors quoi? Donc, moi je suis tanneur, je reçois des peaux de cochon pour ensuite en faire des manteaux de cochon. Donc, tout d'abord, on a appris dans la Mishnah que quand je reçois une peau, même s'il n'y a pas de chair de cochon, je le touche de porc. Mais si je le touche, je deviens impur parce que j'ai touché, parce que c'est mangeable apparemment, même en cas de. D'accord, c'est consommable. D'où la question, si je vous ai fait un manteau de cuir et que vous venez ensuite toucher ce manteau, vous allez devenir impur. Alors la Mishnah va nous dire non, pas du tout. Les kulan chez Ibdan ou chez Hilech Bahen, Kedei Avoda Teorin, pour tout ce qu'on a évoqué, s'il les a travaillés, d'accord, ou encore chez Hilech Bahen Kedei Avoda, qu'il a marché sur eux une quantité de Kedei Avoda, c'est-à-dire. C'était fréquent à l'époque, c'est évoqué dans le Mishnayot, dans Beitza et tout ça, que pour travailler le cuir, une fois qu'on a fini de dépecer l'animal, on ne se met pas à faire des habits. Il faut travailler maintenant la ramollir, j'imagine. Il faut travailler la peau. Et l'usage, il était de l'étaler par terre et de marcher dessus. Ouais, vous prenez ça en tant que tapis, vous allez avoir une peau. Chaque fois que vous rentrez chez vous, vous marchez 2-3 petits pas dessus. Et à force, comme ça, au bout d'un certain temps, ça va ramollir le cuir. Ensuite, on peut pouvoir le travailler. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que si tu les as soit travaillés directement, soit même si tu les as juste posés par terre et tu as commencé à marcher dessus, à faire quelques va-et-vient, eh bien, tes horines, ça y est, c'est fini. Ils ont perdu leur statut de chair pour devenir de vrais cuirs. Chutz me'or ha'adam, à une seule exception, la peau de l'homme. C'est-à-dire, en théorie, en fait, le partenaire explique, la peau de l'homme, selon la Torah, si vous avez dépecé un homme, bah vous, je ne sais pas, quelqu'un qui ferait une chose pareille, si on a dépecé un homme et qu'on a travaillé sa peau pour en faire un vêtement, eh bien, pour en faire du cuir, eh bien, ça ne va plus véhiculer d'impureté, il a perdu son statut d'homme. C'est pas de la chair, parce que c'est la peau. Chachamim, son denier, on fait quand même une xéra, de peur qu'on va se retrouver avec des cannibales qui vont se mettre à fabriquer des chaussures en peau d'homme, ou des manteaux en peau d'homme. Donc du coup, Chachamim, on se dit non, pas du tout. La peau d'homme, elle véhicule l'impureté même lorsqu'elle a été travaillée, ok? Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmona Shratzim Yeshlem Orot. Rabbi Yochanan ben Nouri nous enseigne que maintenant les 8 Shratzim qui ont été explicités par la Torah. Ouais, il y en a 8. D'accord, je ne connais pas par cœur, je ne les ai pas en tête. Ça se trouve dans Brachot, dans Shabbat, il y a un Perek, la fin de Shabbat qui s'appelle Shmona Shratzim, je vois un Perek 14, 15, vrai. Un Perek qui s'appelle Shmona Shratzim. Là-bas, la Mishnah évoque les 8 qui sont explicités par la Torah d'ailleurs. Donc, Shmona Shratzim, Yeshlem, Orot, il nous enseigne, Rabbi Yochanan ben Nouri, sache que les 8 Shratzim, ils ont une peau, c'est-à-dire que même si la peau elle est très fine, la peau n'a pas le statut de la chair,
Et donc, si tu as retiré que les peaux, et que tu touches les peaux, tu ne vas pas devenir impur, même si elle est avec les aïtes. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de la tzlacha, comme tu le